Alors, il s'agit d'un feu d'installation précaire qui occupe donc cette partie sous le pont de la N406. Le feu est parti d'un cabanon. Les occupants, qui sont environ 25 sur ce camp-là, ont immédiatement évacué et écarté les bouteilles de gaz qu'ils pouvaient récupérer. Une bouteille de gaz est restée cependant dans le foyer et a été prise dans le foyer. Le rayonnement a été assez important et les fumées se sont propagées sur toute la largeur du pont jusque de l'autre côté de la RN19. Donc la RN19 et la N406 ont été coupées pour la circulation. La grande partie du camp qui est installée de l'autre côté, donc sur la zone est, n'a pas été touchée par l'incendie. Les personnes ont donc été évacuées. Il y a pour le moment une victime urgence relative légèrement intoxiquée qui devrait être laissée sur place. Il a fallu établir quatre lances pour venir à bout du sinistre.